Et coucou tout le monde, c'est Homzopi. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne, que vous lâcherez un immense pouce bleu et un très bon commentaire. Sur ce, bonne vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Minecraft Modé. Bon, c'est pas Minecraft Modé. Ça, je sais, il y a une des potes qui me l'ont dit. C'est pas un Minecraft Modé, mais c'est un Minecraft qui me facilite vraiment, vraiment la vie. Et la dernière fois, donc, on s'était arrêté dans ce petit village. Et vu que je l'avais entièrement exploré quand même, vu que je dois repartir en exploration. Bon, il y a des trucs que j'avais pas exploré. Tiens, tiens. Ah, vous voyez ce que je vous disais dans le dernier. Donc, quand on fly, vous voyez, si on tombe d'assez haut, on peut mourir. C'est toute la chance. Une immense chance. Un plastron en fer. Eh bien les gens, on a de la chance. Ou pas, mais je sais pas. En fait, les coffres des villages, je sais pas à quoi trop me repérer. On ne pourra pas sortir si on a de la chance. Voilà. Donc tac. Tac. On va mettre le plastron en fer quand même. Hein, mais... Voilà. Bah, franchement, c'est intéressant. Ça m'offre un minimum de protection. Alors, donc là, je vais laisser. Voilà, il finit. Est-ce que j'ai un lit déjà? Bien sûr que j'ai un... j'ai de quoi faire un lit. Bon, il y en a dans ce village, alors. Pourquoi se fatiguer, on va dire? Non, arrête de tomber. Pardon, désolé. Pourquoi tu tombes? Allez, petit. Voilà. Oh, excusez-moi, je suis pas fort à Minecraft, hein, hein, clairement. Et voilà, bon, l'épisode 2 commence par... voilà. Bon, je vais prendre le home, quand même. Il se passe quoi, là? Je vais pas monter sur lui. Voilà. Bon, je vais prendre le home de ce village et je vais continuer à explorer. Vraiment, j'essaie de prendre le home de... Mince, voilà. De plus en plus de choses. Et pour ceux où dans l'épisode 1 ils auraient dit mais tout ce que tu fais c'est du cheat. Mais Madara, tout ce que tu fais c'est du cheat. T'as pas l'air de t'en rendre compte. Mais voilà. Bon, déjà je vais prendre le home. Je fais deux choses en même temps. Vous devrez m'excuser. Allez. Voilà, téléporte. Et mince, pardon. Non. Non, je me suis téléporté. Ah, à cause de... Remove, dégage. Remove. Putain, sérieux, non, sérieux. Oh non. Eh mince, bon bah écoutez. Bon, de toute façon, on avait récupéré à peu près ce qu'il y avait de plus intéressant. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Je vais pas vous le cacher. Oh, attendez, mais... Il y a énormément de squelettes par là. Je me demande s'il n'y a pas un spawner. Un spawner, pardon. Un spawner. Ouais, le problème c'est que le spawner il peut se trouver là, mais il peut se trouver ici. Apparemment, ils ont réussi à se disperser. Bon, là je vois plus concrètement plein de squelettes. Donc, techniquement, c'est-à-dire qu'il y a une crevasse. Donc. Premier spawner, spawner, ouais, c'est ça. Je confonds certains mots, enfin, moi, non, c'est pas ce que je confonds, c'est que vu les mots, voilà, et ça va être simple. Non.
là où il y a les squelettes. C'est là où on va pouvoir utiliser un nouveau toi cheat cheat qu'il aura. Oups. Non, donc comme je comptais vous montrer paramètres en jeu, tac tac tac. Activer l'option triche. Vous voyez, elle n'est pas activée. Donc, c'est pas de la triche concrètement ce que je fais. C'est du modé, donc c'est pas pareil. Techniquement, je n'ai pas envie de mourir. Hein. Le gouvernement de base, j'ai pas envie de mourir. C'est bien. Ah, c'est pas vrai. J'ai tué Laura, alors ce que je vais faire, c'est que je vais te dire. C'est moi qui vais faire des gains, c'est tout. Oh non! Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, les gens. Ne. Oh bah yes! Yes, yes, yes. C'est même plutôt intéressant. Allez! C'est plutôt intéressant. Yes, world! Yes, village. Ah, merci les squelettes, vous êtes trop sympas. Et oui, donc j'ai mis ça en écran de pour c'est vrai que bon, ça change de l'original. Hein. Ville. Même marqué quoi là? Village. Tac. Et voilà, et Deadspawn 1. Je vais me faire déclencher. J'ai même pas le temps d'arriver. Je le mets en visiteur, ne vous en faites pas. Donc si elle veut commencer une survie avec moi, elle pourra. Hein. Au pire, même si j'ai perdu mon stuff, je le récupérerai en off. Ne vous en faites pas. Ah, là, on va dire bonjour à Matali. Salut! Je suis en train de tourner. De tourner. Une vidéo, ça te dérange? Si ça te dérange, c'était correct. Bon, je lui envoie des messages et après je vous reprends. Parce que du coup, allez, à tout de suite. Donc les gens, voilà, je lui ai parlé. J'ai été récupérer juste mon stuff aussi rapidement. Et j'ai trois trucs en plus parce que je les ai récupérés dans le spawner. Tout ce que vous voyez qui n'était pas là. Comme ceci. En fait, du coup, ça sert à quoi d'avoir réellement un cheval quand on peut voler? La question que je me pose vraiment, bon, du coup, vu que je viens de par là.
Je suis un fou, je viens de mourir et je repars en exploration, pardon. Bon, alors, là, en attendant que je trouve un minimum d'endroits intéressants, ben, à tout de suite, quoi. Les gens, petit aparté pour vous dire que du coup, j'ai eu ce que je voulais, de la canne à sucre. Mais je n'ai toujours pas trouvé d'endroit très intéressant où m'installer. Et donc là, j'y retourne. Je sais bien pourquoi. Du coup, j'étais en train de chercher le village parfait et redeviner sur quoi je tombe. Enfin, sur l'endroit parfait et deviner sur quoi je tombe. Je tombe sur un autre village. Ah, mais c'est horrible. Comment choisir? Lequel est le meilleur après? La décathlon, il y a deux villages juste à côté, quoi. Oh, c'est qui lui? Un dieu de la mort ou je sais pas quoi. Bon, écoutez, là il n'y a rien d'autre. C'est un peu comme dans le village, donc je vais récupérer les 2-3 coffres qui traînent. C'est vrai que vu que je peux pas poser mon stuff, parce que je bouge pas énormément, enfin je bouge énormément. Après que j'ai un endroit que je me fasse une base, et que bah voilà, ce soit ma base. Parce que ouais. Et crotte. Bon, je vais fouiller ce village avec vous comme je suis un monstre. Et après crotte. Oh oui, je peux voler, c'est vrai, mais je suis. Mais je suis bête. Bien sûr que je peux voler. Ah, c'est fou que je suis. Hein. Moi bon, je cherche pas depuis longtemps, vous voyez, je suis qu'à 700 mètres de l'autre village, vraiment. J'ai pas cherché depuis longtemps. Mais voilà. Non! Pourquoi t'as ramassé son lit? Je vous dis, notre pauvre petit villageois, s'il meurt, il respawnera pas. Bon, on n'a pas tous la chance de respawn, hein. Oh les lags de fou. Vous voyez, ça arrive toujours en plein milieu de l'épisode, ces lags, ça m'énerve. Au début, ça allait. En même temps, ma render distance, elle est pas bien gérée. Moi, je dors. Ah oui, il faut vraiment que j'ai ma render distance là parce que. Bon, on se reprend tout de suite.